Caray FM. Nous allons dans la rue, pour nous rejoindre. Mackenson, Rémi, 4x4. Oui, dans la rue, mais d'abord, nous devons rappeler, hein, la fête très chaud encore, je dis, mais la pluie après continuer de tomber sous le pays pendant tout le week-end. Comment nous lever maintenant, encore dans le nord capitale, à côté de nous, tabli, base depuis quelques jours là, pour assister vent la paix qui a commencé à souffler sous toute zone jusqu'à un bon parti dans la cité soleil. Sous place, Mackenson, Rémi, avec nous, pour dire nous exactement. Exactement, comment Port-au-Prince, cette zone qui est sur côté lieu réveillé pour matin. Bonjour, 4x4. Situation a commencé sale dans Matissan, zone Pantamara, pas de problème pièce. Machine a passé timidement pour matin en zone bataille de Ogan. Plusieurs machines à charger pour plusieurs villes provinces. Et dans la trois aviation, plusieurs machines à charger. Nous, ce que tu vois, Jérémy, commencer à bouger dans l'activité. Son dimanche, à bouger dans l'activité. Mais pour le soleil, il y a un bon parti là-dedans. La paix à dépend des anciens élus politiques avec la mairie. C'est dans sa monnaie. Bonjour Pierre-Winel René, bonjour Guerrier de Sol, bonjour Christelle Saint-Georges. Déjà bon week-end, c'est moi-même Mackenson, Rémi qui va présenter comment la vie a eu pour matin. Trois axes qui connectent avec Pétionville, levé 12 par 8 pour matin. Machine qui a sauté Pétionville, parti par Delma, levé jusqu'à Capo Aviation, jusqu'à WAF, Jérémy, sans problème pour matin. Et déjà, il y a plusieurs habitants qui ont sauté sous WAF, Jérémy, pour la Caïmécano, pour traverser l'aviation, pour bouger l'activité au Rendelma. Machine qui a sauté Pétionville, parti par Boudon, et arrivé pour aller au Gan, sans problème pour matin. Il y a plusieurs bus qui ont chargé. Et dans Pétionville, descend sans problème pour matin, c'est un constaté. Machine qui a sauté Pétionville, descend par canapé vert, arrivé pour aller au Gan, sans problème pour matin, même des machines qui ont chargé des grosses, à monter Pétionville, descend dans Pétionville, sans problème pour matin. Matin, nous montons monde, nous descendons monde, monde sec, coupe que fin. Et Pierre-Winel René, et la police déjà là pour accompagner la population dans plusieurs zones nous passer pour matin. Dans le sud-capital, la jeune sortie là, dans le portail de l'Ogan, qui est subi chargé pour aller dans le département sud-est, pour aller dans le département sud, tout sous grand rue, et plusieurs gros bus chargés pour aller dans le département grand-dance pour matin. Même si ça peut tomber dérangé grand rue complètement, et ça va empêcher plusieurs bus déjà larguer et pour aller dans le grand-dance, la caille et puis, 4h30 dans le matin, même j'ai tout bien plusieurs tuyoles qui débarquaient pour aller dans le département sud-est de Jacmel, la Caïpor, Gagné du Sol, et bien, ou même tout bien, il y a plusieurs bus qui chargent pour aller dans le sud-capital là, et bien, plusieurs autres compagnies privées qui sont de l'autre côté qui sont déjà passées dans la route nationale numéro 10 pour aller dans le sud-capital là. Et si la situation va mal dans la zone Potamara-Matissan, la Chine a baissé et passé, mais la zone Duessier, la situation pas trop bonne pour matin, elle est dépassée. Cette population a essayé de bloquer la zone ça. Malgré la police, la Dressier, la Christophe Chanel, qui mettait mes précisions à son pas arrivé. Donc, Dressier est pas trop mal pour matin. Donc, situation pas trop bon. La Dressier est gagné et mon lieu qui a essayé de tirer roche. Tout machine qui a passé. Population qui en colère, et c'est l'Otaïdine, à cause d'officier état civil, ça, et Lovens Romelus, et ils voulaient changer dans la zone Dressier. Donc, des gros plaignants de la population qui critiquaient le directeur général ministère de la justice là. Mais c'est Jean-Lével Milo qui a vu mettre frère, ou Isbervel Milo, dans la place. Donc, c'est ça cause, la situation pas bon même. Et dans le dossier pour matin, malgré la police, a essayé de vous mettre de temps en temps pour être comment la paix capable de prendre pour matin. Et le matin, nous avons une aviation. Et c'est là que nous allons parler avec quelqu'un qui va le passer tout café aviation. Et qui va le passer plus bas. Nous allons dire comment ça y est. Et pour matin, mais dans le la situation pas trop bon à cause de route là qui est en mauvais état. Mais malgré que c'est un bon travail sur ça. Bonne nouvelle pour mon pèlerin. Il y a deux démarches qui ont fait pour capable de route pèlerin. C'est ça que nous voulons faire comprendre. Nous allons mettre poser tout qui va assez bon par le président, pas loin moyen, pas loin fait, c'est notre salon à prendre. Nous devons être posés, c'est d'abord pour nous débarquer dans le pèlerin, dans le jeu cap du milieu, sans problème pour matin. Et bonne nouvelle tout pour la CAIPAM, mais Gredos, donc pour Gredos, pas loin moyen, donc c'est notre salon à prendre, mon Jérémy, mon Léon, mon Nanoté, mon débat, mon Laporte, mon Despaï, mon Lampli, côté de notre tête, mon nom, nous mettre posés, nous pas loin moyen pour eux, selon la première information, mais pas qu'à moyen pour t'écraser à ça, parce que pour Dieu, pas qu'à trouver notre loi, nous pas du qui sait, c'est notre première information. Donc, à fois aviation, et côté, vous avez à volar, il y a plusieurs camions qui ont chargé pour aller en direction d'Elma, qui ont chargé pour aller dans la capitale là, mais c'est là que nous devons fort entendre que l'opinion des citoyens se passe à fois aviation, et en plein du plus bas, dans le Wang Jérémy, de même qui peut dire exactement à ce sentiment où passe le temps, depuis quelque temps, les zones ça n'est pas de côté bien, à cause des situations qui ne sont pas de bonne adresse. Mais je dis à la monde capable de se dire Wang Jérémy, sans problème,
pour passer et aviation. Bonjour mon frère, Radio Caraïbe FM, vous êtes allé avant pour matin. Donc, vous sortez dans WAP Jérémy pour matin, puisque vous êtes passé aviation là. Certainement, certainement. Donc, Carrefour Aviation, ça fait presque un an depuis que ça, c'est impraticable. Donc, depuis deux semaines, nous avons commencé le travail, peut-être dans le BH, pour le bail pour une zone sous WAP Jérémy, pour le bail pour une zone pour dimanche, pour le bail pour une zone chancel. L'hôpital là, important pile. Il y a plusieurs opérations déjà faites dans l'hôpital, ça, peut-être l'hôpital là ouvert. Donc, racontez au député Caraïbe FM, comment se passe l'aviation, comment ça arrive? Bon, comment c'est pour l'amélioration quand même? Mais normalement, ça que nous espérons, c'est pour que qu'on la paix qui établit. Donc, vous espérez, donc, en tête ça, qui fait avec plusieurs organisations dans la zone nord, et plusieurs militants, ceux qui vont être dans Genève, vous espérez que c'est pour faux en tête, donc vous voulez que en tête ça dure, dure. Donc, donnez-tu une zone Donc, racontez-nous exactement comment la vie a été dans la zone WAP Jérémy, comment nous faisons pour une ville, quels sont les problèmes nous gagnons, de comment ça a fonctionné. Ce qui est important pour nous, c'est sa liberté. Sa liberté que l'État a lieu. Comme si, les gens qui ont vu la WAP Jérémy, c'est des gens, l'État n'a pas connu l'existence. Mais moi, il faut au moins que l'État a comporter une façon pour que vous connaissiez l'existence. Donc, il y a pas de temps pour SNGRS, les sur les murs, les gosses, les et ça a fait un gros assainissement dans la zone de Jérémy, même si on fait tout à l'échelle, ils vont faire un total capital. Donc, il a demandé aux responsables de Gouaba de gérer la zone. Donc, nous sommes parlés avec ce qui se passait dans la zone de Jérémy, nous avons la citoyenne installée même, et qui va le passer à l'aviation, qui va dire comment ça existe Delma. Bonjour mon frère, comment est-ce que Radio Caraïbes FM peut parler avec vous? Maintenant, c'est qui est au là? Allez, WAP Jérémy. Donc, vous allez WAP Jérémy, c'est qui est au sorti pour matin? C'est 18. Est-ce que chaque jour vous faites exercice ça? Donc, ça, depuis qu'il a depuis qu'il a passé la première fois, après je dis. 3-4 jours. 3-4 jours. Donc, comment est la vie qui est au dit au Dupin Caraïbes FM? Bon, on va amélioration quand même. L'amélioration quand même, c'est ça lié dans la foi aviation. Si pour ma situation, c'est pas de bon, la situation commence pas plus mal, et bien dans notre capital, la situation va trop plus mal tout, et selon ça, les citoyens saillants sont d'une sous antenne Caraïbes FM. Mais rapidement, nous allons regarder exactement qui ça, auditeur, vous voyez, dit, je n'ai pas de première occasion. Bonne nouvelle, je vais gagner tout, il y a 150 000 barils et diesel qui déjà rentré dans Toulon, c'est ça a été constaté hier et matin, pendant que tu as passé dans Toulon, donc le chauffeur a commencé sous l'eau qui va jouer gaz. Alors, c'est 200 000 barils de gazoline qui a porté après-midi. Information confirmée, ça n'a pas de gazoline, de problème de gaz là, et ça n'a pas existé du tout dans la ville là. Mais il y a plusieurs habitants de zone vue, c'est les jeunes ceux là qui dénonçaient. Donc, quelques citoyens dans le ministère de la Justice, ça fait des marches pour changer officier état civil là. Le juge de même sujet que le général là, qui a fait pour mettre dans le poste. Citoyens ont demandé le ministre de la Justice pour capable de saisir le poste. Donc, habitants et zone Jean Rabel, troisième section la réserve. M'a dit exactement pour capable voyager garder population dans zone ça ou ça pas bon même il y a pas gain de l'eau une situation vraiment difficile dans zone Jean-Abel donc habitants vont être capable accompagner plusieurs monde qui vivent dans zone Mibale zone barrage disponible yo nan mamel là mais pas capté donc blackout ça tué yo je m'a dit pour aider à fond Jean pour que ce blackout là bas en pile problème dans zone ça alors que il y a un volet qui a profité pour monde chaque matin et puis route là tout et il y a quelques côtés en temps, et les balais ne sont pas bons du tout. Donc, il y a des gens qui sont fongés. Il y a plusieurs citoyens qui voyons beaucoup de chapeau pour responsables et TPTCA, en dit ministre TPTCA même, et qui commence à voir techniciens à le vivre dans une zone pénérée pour capable garder l'état où là. Donc, tout ce qui va se faire avec le président, ça fait cadeau de l'idée de garder pour une belle effet. Nous voyons beaucoup de chapeau pour le ministre Nader. Nous avons demandé pas très longtemps pour capable mettre les mains là, parce que les habitants sont véritables problèmes. Il y a une ville qui est bon commissariat, ça va une pistache là, qui m'a un pile problème. Que le sa population a dit la plus tombée, le sa l'aile descend, juste en la lettre, il n'y a plus de problème. Donc, la population dans la zone sa a demandé de capable de tuer le canal de façon pour gérer la situation. Peuple Lagonave dénoncé Joseph alias Salas, sa boycotté matériel, mais il a gonave. La population est en moué, après tout ça, pas bon même, il a dénoncé citoyen ça, sa démoussé pièce Marco Loder, mais c'est Marco Loder en panne, alors que la mairie n'a pas de matériel pour fonctionner. Il a demandé pour être capable de fonctionner. Il y a un président et citoyen qui fait acheter machine. Dans votre aux enchères, qui m'a dit la cour des comptes,
direction générale impôt bail autorisation et acheter pour capable cette pièce dans circulation avec au avec cette une situation difficile plus passer 100 citoyens qui acheter machine dans les autres chèques qui pas capable cette pièce depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui demander qui ça de y a fait avec on capable résoudre problème ça donc matériel là dans main yo machine motocyclette le pas des moyens de faire papier une situation difficile en pile. Pas oublier, numéro de la police, c'est 114-38-38-11-11, numéro CAN, 7 ambulances nationales, c'est 116, numéro d'INEPA, c'est 59-59, sous suspect qui ont le coronavirus, voilà, caillou, pas oublier à l'été, ministère de Santé publique, c'est en 2020, 43-43-33-33, mais pour réserver tout le monde, on doit en pas monter des sons, c'est 28-17-04-49, je dis à ce vendredi, bon week-end tout le monde! Bon week-end à même tout, Mackinson Rémy n'a venu avec dernier chiffre qui vient pour avec développement coronavirus sur le pays d'Haïti, chiffre qui pas gagné quantité et guérillot, donc le ministère de santé publique qui dans le dernier communiqué l'a metté de là pas affiché quantité monde qui est guérillot. Mais une très bonne nouvelle hein, pour démarrer journal la matin suite à possibilité pour pays attaquer yon raté gaz dans le jour qui a vini là haut nous apprenons à partir yon tweet secrétaire d'état communication gagné yon cargaison gaz qui était doué en fait était annoncé le pour hier mais information Mackinson confirmé avec nous dans zone Torland Blanc dans espace côté stocké gaz yo donc li wè gagné activité qui montre effectivement cargaison gaz secrétaire d'état communication Eddy Jackson Alexis était annoncé dans tweet hier vive yo recevoir depuis hier 150 000 barils diesel, gagné 200 000 barils de gasoline à 40 000 barils kérosène qui doit arriver week-end et Mackinson Rémy est confirmé pour nous à partir d'informations les jeunes de BMPAD quantité gasoline ça à kérosène ça doit arriver après-midi à Nantorland. Oui, c'est très bien puisque tu as déjà gagné un pile monde qui a apprécié à faire gaz sous prétexte pour gagner rareté donc le gouvernement annoncé gagner 150 barils oui c'est ça diesel qui est déjà arrivé hier soir dans Torland et gagner en quantité encore qui a privé donc après midi justement pour éviter rareté mais persister on va aller. Oui, après aller dans l'aéroport, aéroport international Port-au-Prince, alors que officiellement on vole toujours pour reprendre dans niveau ça plusieurs avions rentrés dernier jour ça à vide vin chercher passagers qui te gagne réservation pour voyager aux États-Unis tant qu'on vol jet Blossa qui sorti ailleurs jeudi à vide New York tandis que l'autre vol même compagnie ça qui était sorti Fort Lauderdale était porté 34 passagers service immigration Kimbe passeport tout le monde ça dans cadre de nouvelles mesures que le gouvernement était prend pour alléger première condition était imposée pour haïtiens qui étaient trouvés bloqués l'autre bois capable retourner dans pays avion qui retournait aux États-Unis, même journée ailleurs, fois ça avec passagers avec visa, contrairement à l'agence qui a été faite pendant un vol spécial qui était fait seulement pour les ressortissants américains qui bloquaient dans le pays. Selon une source proche, la police qui est affectée dans l'aéroport a gagné un vol Spirit avec Charter Eastern Airlines qui doit arriver jeudi à l'aéroport, toujours avec autorisation. L'État haïtien guerrier qui toujours pour prononcer le sous kilo volio à proprement définitivement dans un moment côté compagnie JetBlue qui était continué rentrer dans le pays en un cadre de série vol et spécial publié calendrier vol ça qui répartit comme ça 11 juin vol Port-au-Prince vers Fort Lauderdale pas gagné l'heure qui mettait sous vol ça yo a gagné on vole toujours en juin c'est-à-dire depuis hier selon calendrier ça JetBlue communiqué on vole qui t'a sorti Port-au-Prince pour aller New York dans JFK 18 juin Port-au-Prince vers Fort Lauderdale Port-au-Prince vers New York toujours
JetBlue, hein, deux vols 18 juin sur Port-au-Prince, yon pralé Fort Lauderdale et l'autre là pralé New York. 25 juin, un vol qui a sorti Port-au-Prince en direction Fort Lauderdale et on l'autre vol qui a sorti toujours Port-au-Prince pour aller à New York dans l'aéroport JFK. 29 juin, selon le calendrier, ça a noué JetBlue a publié, a bien un vol qui a sorti Port-au-Prince vers Fort Lauderdale dans l'État Floride aux États-Unis. Et on l'autre vol toujours Port-au-Prince pour aller en direction New York. Sous Bhopal, il y a une compagnie American Airlines qui a annoncé lui-même un vol pour 7 juillet. Donc, dans la dernière intervention, elle fait semaine ça, sous antenne nous-mêmes, pour le ministre là, pas confirmé, vol lieu après elle reprendre officiellement, mais l'un t'a posé une question, elle t'a dit qu'il y a travaillé pour faciliter vol lieu reprendre avant longtemps, donc c'est toujours pour trop bien date et comme ça, permettre à Haïtiens qui étaient bloqués pendant plusieurs mois aux États-Unis capables de retourner à la caillou. Oui, donc déclaration, le premier ministre fait sous antenne nous, il était annoncé que dans l'occasion discours que l'a bien pour faire pour marquer 100 jours depuis le premier ministre, donc elle a bien officiellement pour dire qui ça qui a fait, qui décision qui prend par rapport à quantité citoyens saillot qui est encore bloqué à l'étranger et tout jusqu'à présent pas gagné qui dit tout bon côté ministère affaires étrangères pour ta connaître comment le monde qui trouvait à l'étranger capable bénéficier de quelques vols là qui reprennent donc le vol qui fait hier là ça qui a fait 10 juin capable venir là donc capable gagner trop explications qui baillent sur comment nous sommes capables de contacter qui est hein, pour nous capable vraiment jouer une possibilité pour le monde qui gagne une obligation pour rentrer dans le pays, on est capable de faire ça. De nouveautés dans la disposition qui était prise pour contrôler les gens qui peuvent rentrer dans le pays, donc les gens qui vivent rentrer dans un vol spécial Sayo, il y a seulement Kimbe, passeport, et il aurait été en contact avec eux, donc il n'y a pas gagné pour faire réservation pour un hôtel quelconque, donc Moun Sayo seulement Kimbe et passeport, et gagné information sur eux, donc ils pouvaient mettre eux contrôler. Donc, et dans un vol qui sortit Miami, gagné 34 Moun, il y a Kimbe passeport, donc d'après information, nous et nous avons garanti qu'il a été en quarantaine pendant 14 jours. Dernier chiffre qui vient pour le développement coronavirus là dans le pays d'Haïti, c'est avis 72 ministère de santé publique communiqué. Ailleurs, il y a 145 nouveaux cas et qui confirmaient 6 personnes en plus mourir de COVID-19. Ça qui baille en total, 3941 cas confirmés, 64 personnes. Mouri, au chiffre monté en pile pour le monde qui mouri, mais pas gagné. Et chiffre qui fait l'état de monde qui guérit. Jusqu'à présent, les autorités ont aussi le parti ça dans le communiqué qui était toujours là. Est-ce que c'est parce que pas gagné le monde qui guérit? Est-ce que y a plus les taxes qu'il y a en fait test pour le monde qui gagne des symptômes? Il n'y a pas fait pour le monde qui quitte l'hôpital ou bien le monde qui est testé positif? Jusqu'à présent, ça nous remarqué, pas gagné. Monde qui guérit non communiqué à MSPP mettait dehors depuis plusieurs jours. Donc, c'est 8081 cas suspects. Donc, là-dedans, il y a 3941 cas qui confirmés, 145 nouveaux cas, 55 importés et 3884 cas transmission locale, 64 décès. Donc, parmi 3941 cas confirmés, 40,3% là-dedans, c'est femmes. Et puis, 59,7, c'est garçon. Donc, sexe masculin, d'après chiffre autorité, noté dehors. En parlant de chiffres, département le sent toujours en tête avec Delma, oui, commune Delma, qui gagnait 820 cas confirmés. Port-au-Prince, 770 cas confirmés. Pétionville, 522. Tabar, 400. Carrefour, 254. Croix-des-Bouquets,
233, Pétionville, 57, Kescroff, 36, Cité-Soleil, 57, Kescroff, 36, oui, et puis Tiboive, 21. Mm-hmm. Ouais. Oui. Et puis pour l'autre ville, par exemple, au Caï, il y a 40, Anquin 6, Torbec, il y a 2, pour Jacmel, département sud-est, Jacmel, il y a 64, La Vallée, il y a 6, Côte des Fers, 5, Tchot, il y a 3, Marigot, 2, Bellance, il y a 2 cas, et également Bénec, il y a 1 cas. Port de Paix gagné 46 cas, Saint-Louis du Nord 5, Moll Saint-Nicolas 3, Jarabel 3, Bombard de Police 2, La Tortue gagné Yonka, Chansol Yonka, Ansafoleur Yonka. Mmh, là, quand on a nos barricades ici, les gens qui gagnent 57 cas et puis Limbé 10 cas. Plateau central, hein, département Sainte-Pays, mis en balai, côté gagné, il y en a une plus grosse prise en charge, moun qui atteint le coronavirus là, nous joignent 63 cas confirmés. Pêche 34, Boucan Carré 9, Lascarobas 5, Belader 2, Tomonde Yon, Savanette Yon, Sodo Yon. Voilà. Bon, non, allez, Cap-Haïtien, puisque Cap-Haïtien, Denis Oussayo, t'es en actualité avec un mouvement de violence qui a augmenté entre deux quartiers, Nambadan et Chada. Donc, côté, il y a un monde qui mourit, il y a un caillou qui moulait, il y a un policier Hugo qui est tombé. Nous allons rejoindre le correspondant permanent de Cap-Haïtien, Curtis Sema, qui est déjà incliné avec nous. Curtis, bonjour. Bonjour, Guerrier, bonjour, Pierre Renel. Bonjour, tout le monde, Cap-Haïtien, c'est mieux. Dis-moi non, qui ça qui gagne entre Chada et Nambaman, comment la situation est pour hier et matin? Eh bien, justement, et guerrier, suite à l'essai frappé qui était gagné entre la police ensemble avec Kogan, qui est l'AG8 qui est basé dans Chada, dans la ville de Cap-Haïtien, mercredi 10 juin passé, à côté de gagné, un policier Udmo qui est tombé et deux lots blessés par côté de la police, par côté de Gangyo, gagné 16 lots qui est interpellé, yon mouri et gagné yon lot qui n'a pas la vue, gagné deux qui prend soin au niveau de l'hôpital Justinien. Et faut que nous disions hier après midi, côté que moun yo pas arrivé identifié, mettait du fait nan kay qui trouvé nan quartier populaire nan Chada, côté gen un pile kay qui boule jusqu'à présent, et pour gen un bilan qui fait pour capable de dire qui quantité kay qui boule nan Chada, parce que tout le temps hier soir, kay était continué à boule nan Chada. Donc nous sommes responsables de la police dans la ville de Cap-Haïtien, même yo dit yo prend disposition pour que yo capable faire la paix et tourner nan Chada, ensemble avec un quartier populaire nan Banane, qui toujours a pas trop que konyo, côté toujours gen moun qui toujours victime, et il faut que nous disions que la mairie lui-même prend des décisions pour être capable de voir et marcher rue 3 au niveau zone et Chada, côté population même, et marcher, il n'y a pas d'accord pour que vous marchiez sur la même, aller dans la zone ainsi là. Inspecteur police là, qui est porte-parole police dans le département de notre pays, inspecteur Nacedo Rival, lui-même lui fait connaître que la police lui-même lui prend toute la disposition pour être capable de mettre la zone là sous contrôle, pour les confirmer, et dans ce là que nous-mêmes nous sommes là. Oui, et concernant Kai Kimoulé. C'était 10 juin 2020. La police de la ville Cap-Haïtienne est informée qu'il y a plusieurs groupes, mais il y a avec groupes qui agissent vite. Des bambés dans la zone Pont-Neuf, Chada 2, la société pour décimer la terreur. La police qui était consciente de la réalité est vraiment patrouillée dans la zone Nord. Pour les cas informés de quoi il s'agit réellement. Et là, il est sur les lieux de son groupe de monde armé qui était investi terrain. Il est informé du directeur départemental là et que le directeur départemental là dévoyé en renfort une patrouille IDRO. 21h30. Donc, ça a été plus compliqué que ça. Le directeur départemental a été obligé de relayer DLDF dans le souci pour des cas. Il y a un renfort qui est beaucoup plus complexe, vous pouvez pas répondre avec cette situation, parce que nous termine, c'était plusieurs, donc la police est restée rien. Malheureusement, dans l'opération, il y a un policier qui mortellement est blessé, c'est Joseph Larousse, qui fait partie de la 27e région. Donc il y a deux autres policiers qui sont blessés par balle. Et
monsieur le directeur, pas qu'il y ait un contrôle terrain, il y a des armées, ou le policier en grève et bleu, qui affectent dans les portes là. Donc, nous avons des hommes qui d'ailleurs, plus d'un policier. Mais dans l'interroge sur la police, c'est bien fait que il n'y a pas de contrôle policier que nous avons équipé. Voilà, c'est un bout d'intervention porte-parole policière. Non, non, c'est un appel de rival. Quand on dit comment les policiers, c'est là, les mêmes, ils ont perdu la ville. Et bien, cependant, les policiers, même, ils ont entré dans un chada. Et les bandits, c'est là, même, ils ont pris un otage dans la police, c'est là. Et c'est hier matin, ils ont déposé le cadavre, c'est là, dans la zone aéroport, dans la ville cap-haïtienne et guerrier. Et il faut qu'on dise, c'est pendant toute la journée, en pile 14, les mêmes, ils ont été en force de l'audio, ensemble avec le groupe gang, c'est là, qui est les oui, et nous avons posé une question tout à l'heure à Kouati Sema. Donc, jusqu'à présent, on dit pas gagner trop de détails sur la quantité de cailles qui brûlent dans la zone. Non. Bon, bien, parce que c'est hier, bon, 5 heures, ils ont mis du feu dans le quartier, c'est là. Et tout à hier soir, quand ils ont même commencé, ils ont continué à bouler. Et donc, nous, c'est tout, c'est une zone, nous, on n'a pas presque passé depuis, et ils ont bon bout de temps, parce que toujours, il y a un laissé frappé, parce qu'on est qui joue, et qui l'est, que, quoi, quand c'est là, lui-même, l'a agi, soit les aller dans la routière, la faire recette, si on pas bal l'argent, les tirs, il y a un petit machin, quand on mange, tout là, les lèvres, même, il y a, gens sont les petits machins, si la ligue, pas bal, les amis, c'est comme bien, c'est comme ça, zone, c'est là, lui-même, lui vient de venir dernier, je suis là. Voilà, mais merci un peu, Curtis Sema. Voilà, Curtis Sema, correspondant permanent, non, un cap-haïtien qui est lui-même en direct avec nous concernant la situation. Ça, à côté, il y a donc un policier Hugo qui est tombé et un bandit et qui est tombé également. Il y a plusieurs qui ont arrêté dans le cadre de conflit. Ça, qui est un tas de groupes armés et la police qui est lui-même intervenu pour mettre l'ordre. Nous avons toujours été capable ici, Pierre-Renel, puisque nous avons gagné pour nous parler depuis plusieurs jours là avec citoyen ça qui lui-même gagne un droit de réponse hein, par rapport à l'intervention Premier ministre là et dossier ça tout nous connaît qui déjà ont arrêté qui sorti pour lui. On a parlé de terrain ça qui pral servi pour construire un site de décharge dans Cap-Haïtien, précisément Limonade. Donc gagne Félix Maré qui lui-même c'est mandataire de Fanny Nazon qui était souhaité intervenir justement pour capable porter précision ou position par Fanny par rapport à décision l'État prend pour déclarer d'unité publique terrain ça dans zone Limonade. Félix Maré, bonjour. Guerrier et monsieur Pierre-René et Pierre-Renel et René. Et je voulais saluer tous les amis auditeurs Radio Caraïbes qui sont fidèles à l'émission Sa Captain de nos matins. Je voulais saluer l'administration Radio Caraïbes tout. Et profiter de vos condoléances à ces parties, ni moi-même, ni associé à Grinor, ni la famille Nazon, et PDG Radio A, M. Moussigna, qui perd du papali. Et aussi profiter et voir ces parties pour familles qui ont déié par pandémie COVID-19 là, qui ajoutait un peu plus de précarité dans les familles haïtiennes qui déjà vivent des situations difficiles. Et en tant que monocap, très très triste pour la bataille qu'a faite entre Chada et Nabanan et puis qu'a fait encore des morts inutiles et innocentes. Oui. Sous dossier Limonade Blanc, qui est ça qui version pas nous par rapport à la dernière décision qui prend là, côté de l'État déclaré d'unité publique, il y a une portion telle, ça que nous-mêmes, dans la famille Nazon, nous dit qui c'est un terrain pas nous. Oui, merci encore Radio Caraïbes pour parce qu'il permet de nous exprimer nous, à l'audience nationale pour nous dire. Ça qui est lié réellement sous dossier. Parce que il y a un pile mes informations, un pile d'ailleurs carrément mensonges, parce que, et que des autorités dans le pays a dit. Par exemple, il dit comme ça que nous n'avons jamais intervenu jusqu'en 2018 avec toute bagarre fin faite. Il dit comme ça que, il a dédommagé des mounes
y compris la famille Nazo. Il a dit qu'on s'est, par exemple, et il a pour le ministre dit magistrat qui doit déclarer telle utilité publique. Donc, c'est genre de bagage, nous trouvons des autorités prennent trop liberté avec vérité et ils viennent passer comme des faits alternatifs et ça fait que la parole publique n'est pas respectée. Autorité, on leur dit on va en doute. Ça que lié, c'est que nous entendons des bons projets, mais dès février 2017, nous avons un grand projet nous-mêmes, une ferme agricole moderne, souterrain. Et là, nous gardons nous à couper pieds bois, il y a des trucs de terrasse qui ont fait. Nous allons nous voir au juge de paix. Ça, c'est avril 2017. On nous dit, viens faire comme ça, parce que couper pieds bois sur propriété privée, c'est un délit. Et puis, nous faisons comme ça. Mais c'est après ça, nous venons connaître qu'on dit, l'État ici, qui pour faire des charges, sous terrain mouchinette. Mais là, nous, on vient sur terrain pas nous, hein? Nous disons ça que, mais là, monsieur, nous, pas mouchinette. C'est des forges que nous y est. Habitation, il y a habitation des forges. Tout le monde limonade comme ça, il connaît que lorsque limonade, où il faut prendre mouchinette et pour prendre des forges après. Donc, à partir de ce moment, et ça me dit, hein, il est avéré parce que il y a un ancien maire limonade là, projet assez sous l'île parti, Jean de la Voix Mangira. Les bonnes lettres que lui écrit pour dire comme ça que monsieur, nous sommes montés de la projet, nous trompons, nous pas mouchinettes, c'est des forges que nous y est. Lettre là datée de 15 juillet 2017. Et dans le tribunal est de paix, parce que si on opposition dans le dossier, opposition, c'est dans le tribunal de paix que le commencer. Le vendredi 28 avril 2017, nous avons appentage. Et puis le 3 mai 2017, nous campions appentage là. Et dans le tribunal de paix, devant juge Nivrose, qui remet un jugement, il dit comme ça que devant pièce que nous fournions, il est montré que c'est pour nous lier, il m'a dit pour nous qui avons construit terrain, qui avons construit ce terrain, et nous qui avons fait un partage là, pour nous camper, pour nous faire lumière sur le dossier, parce que ce n'est pas normal, nous n'avons pas côté au dire, et que ça soit des privilégiés. Ou bien dit oui, le 20 juillet 2017, décision judiciaire s'est sortie par juge Nivrose. Donc, qui côté ça a commencé? Il a commencé, nous recevoir une lettre d'acharnement de M. Michael Delanchi, qui a travaillé pour UTE, qui dit nous comme ça que comment nous faire dans la justice, et puis pour nous dire l'État campé travail qu'il a fait, pour nous soumettre papier nous. Nous recevons la lettre de M. Delanchi là, le 7 juillet 2017. Nous répondons de manière célère le 17 juillet 2017 pour dire l'État ne doit demander nos papiers. Nous sommes devant un tribunal qui émet un jugement. Et le jugement, ça, est clair. Les moyens de nos sources, quoi, activité, non, y compris entité qui a construit sous Teresa. Mais comme son monsieur qui peut-être croit que le au-dessus de la loi, donc, lui sommet, nous lui disons, il y a des gens qui déjà dédommagés. Mais nous d'accord que dédommagement sur bagage ouet qui dit bon, ou te gagne droit là, ou si famille l'État déplacé. Mais jusqu'à présent, ma parole là, je dis à nous 12 juillet 2020, pourquoi jamais il n'y a aucune autorité qui vienne parler ensemble avec nous. L'État ici est perdu en tribunal de paix, il est entré au cap, il est allé en cour d'appel, il a traité nous de faussaires, il a dit nous papiers pas bon. Donc, nous allons, le 13 mars 2018, le juge James Robert, tribunal première instance cap haïtien, lui tranché, lui dit devant pièce qui déposée. Parmi pièces qui déposée, ce n'est pas papier terrain, terre seulement avec plan d'eau. Nous gagnons ampliation foncière que nous gagnons en DGI en date du 3 mai 2017 qui dit que l'enregistré de transaction ça depuis 1921. C'est ça dans la famille Nazon. Donc, c'est là
qui montrait que... Dossier à Tal dans la Cour de cassation qui, selon l'information, oui. Cassé, annulé à arrêt et 21 février 2019. Oui, merci pour question ça. C'est premier jugement qu'a la cassation, c'est le fait que le juge a dit qu'on que nous présentait assez de pièces qui montraient que assez pour nous lier. L'État haïtien, normalement, choisit aller en cassation. Mm-hmm. Pendant ce temps, tout ça m'a dit là, mon capot sous souterrain n'a pas jamais campé. Nous-mêmes, nous campons à partage là. Premier jugement fait là, en mois de mai, là, pas de bon bloc qui était posé sous terrain, non? Mm-hmm. Mais nous avons demandé pour camper là. Donc, il y a l'avocat DGIO à la Cour de cassation. Et comme l'affaire pendant devant la Cour de cassation, il continue le travail. Et là, nous gardons, comme des deux comme ça, que nous avons un projet, les agri-nord, de faire une grande ferme moderne, nous commençons à travailler sur le terrain. Mm-hmm. Et nous avons des puits qui creusent. Décision de la Cour de cassation, décision de la Cour de cassation, et c'est comme oui. Cassé et annulé. Non, monsieur Guerrier ou bien monsieur René, mm-hmm. C'est ça que je vais expliquer là. Première décision, pendant que le pendant dans la Cour de cassation, c'est la propriété, le fond de l'affaire. Mm-hmm. Et puis, les nous, on commence à venir jeter fatra. Et c'est ça qui fait que nous dit, les gens qui ont parlé de projet, nous toujours demandé qui ça projet ça y est, qui ça là-dedans. Il n'y a pas parlé d'échange moderne. Mais on n'échange pas qu'à moderne, sauf qu'on vient jeter fatra. Ou pas qu'à trier fatra, on finit jeter. Donc, nous avons campé là sur le moment. Bon. Mm-hmm. Et nous, dans le côté juge là, il y a des courses pour barrière avec trois pans de mur. Mm-hmm. Nous demandons pour reposer scellé pour empêcher que le vin jeté fatra parce que c'est une sorte de nuisance. Magistrat Limonade là, non seulement quitter côté en barrière, le vin jeté fatra côté nous-mêmes n'a fait exploitation. Or, nous avons des clients qui ont dans nous des produits bio. Nous devons faire un produit manger, donc il n'est pas possible pour nous bien des camions fatra qui viennent jeter fatra. Les nous poser scellé l'État haïtien, à travers même avocat de GIO, contester ce lien. Et le doyen du tribunal du Cap haïtien, c'est M. Lex Jean, lui dit comme ça que, étant donné que le fond de l'affaire est pendante devant la Cour de cassation, lui maintient ce lien. Les avocats de la DGI, ils prennent ce lien, ils mènent devant la Cour de cassation. Ça veut dire qu'il y a deux causes devant la Cour de cassation. Eh bien, même temps de gros paquet mon qui a dit qu'on que nous perdu devant la Cour de cassation. C'est le deuxième dossier qui sorti devant la Cour de cassation, sur la pose des scellés, la Cour de cassation émet jugement ça de manière rapide, il dit qu'on que bon jurisprudence qui voulait que soit bataille avec l'État, même dit bataille là, c'est devant le tribunal, parce que nous-mêmes, nous croyons dans la loi, nous obéissons à la loi pays. Il dit qu'on n'a pas qu'à poser scellé sur un bien qui est en contestation avec l'État. Okay. Mais le fond de l'affaire est toujours pendant devant les tribunaux de ce pays. Okay. Donc, la Cour de cassation, pourquoi je me prononce là-dessus? Mais le collier là, l'État a déclaré d'utilité publique espace terrain ça, qui recoup? À nous, nous n'avons pas qu'être recoup. Premièrement, c'est que l'État n'est pas au-dessus de la loi. Si vous vous rappelez que c'est une lettre écrite à président, qui était dans tous les réseaux sociaux, que nous ne savons pas comment ça fait arriver, mais nous avons voué le manot tout à travers les réseaux sociaux, lui demandait que, comme il a informé que le terrain était dit à mettre à disposition de projet, bon, il était sous lui. Il demandait pour une décision de justice définitive et qui donne la flamme. Or, ça que l'État a ici fait, c'est un acte administratif pour déclarer une telle utilité publique. Or, la loi pays a clair. Il dit comme ça que pour déclarer un terrain d'utilité publique, c'est l'article 36.1 de la Constitution. Il dit comme ça que il faut que au préalable, ou est damnisé, pas parler des deux dommages maintenant, est damnisé. Ça, c'est deux concepts différents. Mon propriétaire bien, hein, à dire d'experts, or, à notre connaissance, pour les spoliation foncière qu'a fait que l'État fait. Les nous rappeler nous et M. Benoît, M. Miss Blanche, couvert de sang,
Donc, et c'est l'État actuellement qui a fait l'exploration foncière, nous dit comme ça que mieux était mal commencé, surtout avec M. Delanchir, qui a un discours assez bolchevique, là, comme ça. Est-ce que nous entrons dans la bolchevisation? Non, on ne pas connaître. Donc, l'État mal commencé. D'accord. Il était doué, normalement, Chita avec nous, évaluer, tendre tout ça que nous perdons, il mène nous. Et à partir de ce moment-là, parce que nous, c'est des citoyens PIA, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Nous devons obliger de respecter la loi. L'État, son privilège légalier de l'État, on a déclaré n'importe qui bien. C'est des publics. Ça que nous contestons, nous disons ça, et nous dévouons notre presse là-bas, Radio Caraïbe, nous disons ça que, étant donné que l'État comportait comme s'il était au-dessus de la loi, c'est comme si, de 1986, nous faisons pour rien, des gens nous perdent pour rien, il y a des gens qui comportent comme si nous encore en dictature. Nous allons attaquer, comme si on est administratif, attaquer devant la Cour des comptes et des contentieux administratifs pour dire qu'on s'attaque. Et c'est ça que nous avons la justice moyenne dans le pays. Pour l'aïcole sur le pays, pour respecter la justice, pour faire la justice sender, et y compris l'État, pas au-dessus des lois de la République. D'accord. C'est ça, recours, nous avons comme recours. D'accord. Merci un peu, Zamel. Oui, ça, c'est le bagage que nous avons ajouté, s'il vous plaît. Oui. Nous avons ajouté pour me remercier, nous, mais dis tout. Nous-mêmes, qui avons projet à Grinor, là, nous sommes des citoyens de ce pays, qui prend bien nous, qui prend comme nous, pour nous lancer un grand projet qui est utile à la communauté. Là. Si nous avons dit Haïti open pour business, et que l'État, à mépriser droit moun, les a dit comme ça que, bi dit comme ça que, pour déclarer en tête de bi pas qu'à demander pour déclarer en tête de public. Réaction ça, c'est comme si nous vînes les nègres du jardin, les nègres de Mississippi, les nouveaux nègres de Mississippi de ce pays. C'est pas possible. D'accord. Nous voulons remercier Radio Caraïbe et nous t'attarons, mais que le nom est dû pour rien ça. Nous t'attarons, mais que nous fitons ensemble, nous collaborer. Mais à cause de maladresse entêtement l'État haïtien, nous risquons de perdre le projet ça. Et nous avons aimé que des journalistes, à regarder dans le dossier ITE, tout comme qui dépensait, il y a trop d'opacité, il y a trop de non-dits. Et nous croyons que c'est utile pour le pays parce que la presse est très très importante dans le pays pour permettre la justice et prendre place et noblesse. Voilà, merci. Et merci Radio Caraïbe, nous remercions beaucoup. Voilà, merci un peu Félix Marie Madata à la famille Mazon qui était en direct à Kenon, Pierre Wenel. Nous avons cherché l'information, ça, qui vient pour avec UCREF qui nous était baillé dernièrement concernant qui était fait connaître que gagner le monde qui est infecté à COVID-19 là et que pas de gagner rotation ou bien 20% quota, pas de respecter. Pas qu'il y a une disposition qui prend hein, pour te permettre d'éviter que l'autre monde attrape le virus. Donc, directeur général, là, qui nous a parlé à CLI, bah, il y a plusieurs précisions hein, concernant un dossier ça, pour dire que depuis le gouvernement a fait une déclaré qu'il y a deux premiers cas coronavirus dans le pays, hein, et bien, il a été réuni avec un staff et pour te prendre rapidement disposition ça, il a mettre de l'eau avec un savon disponible dans le rentrée bureau et puis distribuer alcool avec sanitaire à tout un service. Yo, yo te mandé de respecter distanciement avec nous dans tout un bureau. Yo te mandé pour tout le monde qui est grand monde vulnérable pour rester la caillou pour un petit temps. C'est une rotation qui fait sur pour monde qui est dans le bureau malgré toute précaution ça yo ça pas t'empêcher gagner 2 à 3 employés qui étaient testés positifs à la COVID-19 là 2 jours après nouvelle an. Là on a parlé de directeur général là qui dit moi t'ai parlé avec magistrat Saint-Roch Dominique qui c'est magistrat Pétionville pour aider et nous t'ai parlé avec le dimanche qui est le 31 mai et il était voyé une équipe mairien à 2 juin qui était prêt 2 journées mardi et mercredi pour asperger tout espace dans le bureau la cour dans le bâtiment. C'est 20% employés qui viennent travailler selon disposition nous prend nous par contre qui est ce qui est des messages menti ça que yo te voyé par Radio Caraïbe. Donc DG Ucreflan qui dit yo même nous prend disposition hein, pour te permettre que pas de monde qui trappe virus là ou bien pas éviter gain plus monde qui rappelle parce que gagné 2 ou 3 monde selon lui qui testait positif effectivement et on prend disposition pour ça à pas répéter donc pour gagner travail qui fait pour éviter l'autre monde ta victime.
C'est un journal spécial, on a fini exactement à 7h matin. Il fait 6h avec 19 minutes en pile qualificatif pour désigner nouveau budget. Ça fait exactement une semaine depuis le gouvernement interne public suite à un conseil des ministres à Vio. Je partageais entre économistes sous document ça, le gouvernement, à travers le ministre des Finances qui t'a intervenu semaine ça, sur un terme estimé qui est transparent et réaliste, contrairement à ensemble à Vissayo, professeur en économie Jean Poincy, quoi, c'est un budget hypocrite, mais toutefois bon pour l'économie. Professeur Jean Poincy, bonjour, merci pour participation et contribution dans le débat pour aider nous continuer à analyser le budget. Professeur Poincy, bonjour, nous comptons gagner avec nous matin pour parler encore de budget et espérer communication l'établir pour nous capable de continuer l'échange nous te prévoir faire ensemble matin ou même nous gagner une approche qui est différente de confrère Rio sous budget ça ou estimer qu'il c'est un très bon budget pour l'économie. Hein. Bonjour Pierre-Renel, bonjour Guerrier. Et bonjour, Béthéon Nantlan, et ma salue à tous les auditeurs de Radio Caraïbes matin. C'est un plaisir de m'avoir venu pour être capable de discuter de mon budget qui fait un petit débat, un petit critique. Mais moi-même, dans la vie des budgets, j'ai deux aspects là-dedans. Bon aspect, c'est que nous voyons une bonne pour l'économie, c'est un budget qui traduit une tension que le gouvernement s'est manifesté dans le circulaire 003, qui est dit que le parent n'a pas encouragé la production locale. Et budget ça, j'aimerais que nous présentions là, mais nous répondons à ça que je dis. Mais par contre, il y a différents sens qui sont deux. En même temps, nous avons l'aspect, on peut dire que, et nous sommes à l'occasion, et pas montré réellement que ça, je l'ai fait, que nous avons fait. Et pour nous tourner sur le budget, nous avons gardé, ça qui est lié principalement à principe qui a montré qu'il y a faire respecter. Donc, il y a une enveloppe globale de 198 milliards. Ça, c'est côté que la poursuivre, la bienfaite domestique là, et aide et support que la poursuivre de l'étranger. Et même après des chita sous le secteur domestique là, et côté que montant global c'est 89 milliards. C'est-à-dire que par rapport à 17-18 là, et l'idée est le fait ça a baissé de 9,9%. Et donc il sortit de 99 milliards, il est tombé à 89,3 milliards. On a regardé les 7 plans, structure 7 plans, il y a deux éléments qui sont fondamentaux à la gamme. D'ailleurs, structure, il y a 3 impôts directs, impôts indirects et autres recettes domestiques. On a pris des chiffres de volume qui sont fondamentaux. Impôts directs, là, c'est côté que l'État a prélevé l'impôt sous salaire. Et principalement, et sous impôt, droit de propriété, impôt locatif, et sous, ça nous capable de tout, si comme qu'on paye, qui m'a fait le fiscal là. Nous regardons en 2017-2018, et impôt direct ça, c'est 23 milliards. Lui, augmenté à 34,5 milliards. Ça va une augmentation de 36,2%. Ah, ça a un problème. Ah, mais nos populations qui n'ont pas de travail, qui paient du travail à cause de ce vide, et nous voyons bien que nous allons augmenter ce petit peu de taxes que nous allons consommer. Très bien. Ça attire l'attention de plusieurs populations par le fond. Le mal est plus loin, mais on est pour indirect là nous-mêmes. Tout ça, c'est côté l'État prend taxe sur consommation et sur transaction qu'on fait. Donc, il était 62,2 milliards en 2017, mais il baissait à 39,1 milliards, soit on baisse de 21,1%. Mais pour bien comprendre notre point de vue, il faut garder deux éléments qui composent mieux. Ou bien, taxe que vous prenez sur production locale et taxe que vous prenez sur importation.
Là, on a regardé la production locale là, le temps de la production locale là, il y a une baisse de 80,8%. Je dis, wow, c'est intéressant. Et tu me dis, j'ai passé de 13,7 milliards à 2,6 milliards. Si on a une baisse de 81,8%, ça veut dire qu'effectivement, ils voulaient répondre à ça que tu as besoin de faire à partir de circuler 003. La production locale là, pas de taxes, bah, pas de plus au marché de la population. L'homme gardé, qu'on a taxe sur importation, taxe sur importation, il était sensiblement égal, c'est-à-dire qu'il était 41,9 2017-2018, lui, il était à 41,8 2019-20. L'homme gardé, ça veut dire que l'importation, après, il y a plus de taxes, et produits importés, il n'y a taxé plus par rapport à produits locaux. Et ça dit que nous sommes fait apporter nos régimes protectionnistes. C'est-à-dire les produits importés à plus cher, la population qui n'est pas intéressée trop pour produits importés, il n'y a pas à l'acheter, produits locaux là. Et là, nous, cette domestique-là, bon, c'est passé de 13,3 milliards. À 7,7 milliards. Donc, dans ce sens-là, je dis que il y a un mouvement là que le gouvernement de l'État pour encourager la production et la production locale. Donc, tout est ça. Si vous avez une production locale, côté que taxe n'a baissé la donne, si taxe n'a baissé la donne, ça va être mieux, c'est vous-même qui allez l'acheter. Donc, ça veut dire que le gouvernement a une tension. Booster l'économie, ça permet de répondre à la première question que nous avons posée, qui c'est l'impôt direct là. L'impôt direct là commence à monter à 46,2% et nous dit, ah, peut-être que le gouvernement projette-t-il dans le futur, côté que ça revient en pile monde du droit de travail, à partir du moment où pile monde du droit de travail, nous avons des possibilités pour qu'on puisse taxer mieux. Mais, professeur Poincy, il ne faut pas oublier que son budget qui est déjà en cours d'exécution était 4 mois pour l'exercice là fini. Donc, on dit que son budget qui projetait sur l'avenir, alors que nous voyons que son budget qui a justifié pour les dépenses qui étaient faites. Yo. Donc, 53% dans les recettes allaient dans le payroll, et professeur, pas gagné une augmentation de masse salariale là, et on peut monter et espérer ça. En économie, Cap Machine a dit que c'est une économie côté nous mieux gagner pouvoir d'achat. C'est ça que nous voulons les prochaines dans le futur. Parce que la situation de nous là, il est impossible de faire tout comme ça que l'on cherchait. Parce que la population va travailler et ça a touché, ça a gagné ça là, et son salaire qui est très vulnérable. Et ce que je veux dire, pour le moment, on est possible. Si nous avons des chiffres à nous, comme nous disons, dans le contexte actuel là, la voix que c'est un budget très chargé que lié. Mais le fait que nous augmenter un peu direct là à 46,2% et la regarder notre politique commerciale que nous mettons en place qui montrait que nous allons réduire les taxes de consommation locale. Et le fait de quitter les taxes sur l'importation à même niveau, ça dit que le gouvernement va entrer dans l'argent. C'est une action que vous allez poser pour que demain, nous allons permettre de faire le plus de monde que possible. Mais ça veut dire, Pierre-Wenel, lorsque vous diminuez les taxes sur la production locale, vous avez plus intérêt à acheter la production locale. Nous avons intérêt à acheter des productions locales. Nous avons plus d'investissements qui sont faits dans l'économie pour faire des productions locales. Nous avons plus d'investissements qui sont faits, plus de monde qu'on va l'embaucher, qui sont capables de permettre de répondre à deux demandes, à deux demandes de monde qui va l'acheter. Le ça, le gouvernement travaille là, on vient, et pour qu'il y ait toute taxe que nous avons sur. Mais attention, il y a des gens qui produit document ça et sont des ingénieurs. Et attention, il y a des gens qui produit document ça, ne pas retrouver à la lettre dans le document les affaités. Par exemple, nous regardons une réduction dans l'enveloppe qui est allouée à crédit agricole, malgré une croissance négative dans le secteur agricole là pour année ça. Donc, volonté politique. Que là n'est pas exprimé à travers le document.
c'est exactement ce que fait que vous hypocrites. Ce qui veut dire, regardez le budget, décision que vous voulez prendre pour encourager la production locale, c'est un très bon budget pour l'économie. Mais cependant, nous avons des dépenses à l'occasion que vous avez fait, qui sont capables de répondre à ce que vous devez faire, ou vous avez une autre question, est-ce que c'est vrai? Parce que si nous sommes circulaires 003, il peut dire qu'on fait un projet de production locale, c'est-à-dire que vous êtes capable d'attendre la chambre manger, bien vous savez manger. Et l'organe a des missions, et ça, à l'occasion de l'IFEA, c'est 6,7 milliards. Mais, prenez ça, vous savez dire, les missions disent que la raison qui fait que vous avez des petits à des budgets, c'est parce que les secteurs à l'école là où ils souvent ont pris l'assistance de l'extérieur, donc les problèmes qui parlent à l'eau avec l'agriculture. Mais le temps, si vous avez un comme comme sauté dans un secteur moins sûr de lui-même, nous parlons d'intérêt de votre propre comme là, même si vous avez comme ça, vous mettez dans l'autre côté qui dit besoin. Logiquement, on dit que c'est vrai ça qu'il dit là. Mais vous supposez que vous dites, ok, regardez, si vous voulez que l'agriculture joue le moyen de l'extérieur, et si nous rappelons un moment FAO était signé un protocole d'accord avec le ministère de l'Agriculture, bon, peut-être que vous dites, ça, c'est pas vrai. Mais l'organe est toujours, il dit que tout, et c'est un qui veut plus l'argent, c'est PPTC. Il y a 26 milliards que nous recevons, il dit bon. Ça, le gouvernement voulait faire avec cette étoile pour nous sauver tout comme ça. Est-ce que c'est infrastructure agricole n'est pas construite? Là, je me pose la question, je me dis, bon, écoutez, infrastructure agricole, c'est pas une équipe de temps, c'est pas de long terme, de moyen long terme, c'est lié. Mais nous, on a un gros problème actuel que nous vivons là. Le problème, ça, est-ce que TPTC n'est pas résolu? Et nous parlons là, ceux qui disent, ça organise des têtes pour que TPTC reçoive tout comme ça là. Et ils font son question. Là, le map, ouais, situation, ça, nous dit, sont des hypocrites parce que nous n'avons pas l'impression qu'ils répondent à ça qu'ils ont besoin de faire, dans l'aspect fiscal-là, côté qu'ils ont promassé, et il y a des taxes sous consommation. Ça, qu'on a fait maintenant, dit, ah, mon cher, budget, ça a répondu, il y a toujours dit, allez, non? Principalement sous politique fiscale-là. C'est pas toujours dit, ah, il n'y a pas plus de 4 ans, ça dit là. Et c'est pellicule, c'est film négatif en photo pour le budget 2020-2021. Donc, en fait, ça paraît le Bible, c'est assez fondamental. En même temps, il faut nous voir qui action le gouvernement va le poser, qui pour le montrer, mais réellement, c'est production locale là, pas les encourager la production locale là. Ça et investissement qui est capable d'assurer le développement et progrès du pays. Donc là, c'est une autre anomalie que nous constatons dans le budget. Ça, on dit que c'est un bon budget. Non, c'est pas ça qui permet de dire que l'hypocrite là. Ça qui permet de dire que l'hypocrite là, c'est le fait que l'allocation qui fait, on va sentir que les sous secteurs agricoles là, on va sentir que les sous-secteurs industriels qui nous fait économie bouger. Et c'est ça que permet de dire l'hypocrite là. Parce que le monde a des moins structures de taxation que on va faire, les dit que production locale ou dans le coin de production locale, comme droit et action qui prend, vous êtes dépensé pour que vous encouragez l'agriculture, pour que vous encouragez l'industrie. Mais c'est pas ça que moi. Donc, c'est là où mon bel sourire, mais le crème nous fâche avant. Donc, c'est une faillite brillante, dans le sens que nous faisons économie, on connaît que nous allons faire le marché, mais en même temps, nous parlons d'action qui nous fait le marché. Et c'est ça que nous disons tout, mon gars. Et ça, c'est pas un budget de l'OGIA, c'est un budget qui, par le prochain, peut-être en 2020-2021, nous garantit au budget 2020-2021, c'est nous qui a présenté ça, nous garantit aussi le chirurgien dans ce que vous avez fait là. Et donc, si toi, c'est fonctionnement investissement, bon, c'est pour nous le cas, le budget est absorbé par fonctionnement principalement. L'État a vraiment fait investissement au capital tout à l'heure, c'est que le budget est dépensé beaucoup plus élevé au niveau investissement
que fonctionnement. Parce que le gouvernement qui a une tendance et va prendre des gestions de confiance et pour que c'est lui-même qui est le premier employeur dans le pays, hein, ne pas permettre le secteur privé de développer assez pour que le secteur privé soit capable d'absorber mieux beaucoup plus que lui-même. Mm-hmm. Le fait que ça permette le secteur privé à développer, lui-même donne le niveau de confiance, il peut s'en charger, il n'a pas beaucoup de monde. Ce qui veut dire dans le ministère, dans l'entité publique, les caparettes pour poste ont actif des gars de pas en seul monde, ils ont embauché 4 mois là-même. Il y a 3 mois là qui ne peuvent pas rien réellement. Donc c'est pas ça. C'est pas équilibre. Je ne sais pas si équilibre entre fonctionnement et investissement. Mm-hmm. Et nous avons intérêt à chercher équilibre entre investissement et fonctionnement. Mm-hmm. Si projection fait là, yo. Donc si projection là, ou fait là, yo, exact, nous devons. Et Marie Saint-Hilaire étant l'année prochaine, nous pas qu'à espérer un lien de budget ça en termes de réponse par rapport à ensemble de problèmes mais pays à connaître un coup d'évaluation goudla et prix produit qui a monté donc pas gagné de bagaille qui a fait à partir de budget ça et dans exercice ça pour résoudre ensemble de problèmes qui t'a doué d'une en solution immédiate. Bon, mais 4 mois non, mais tout ça dit là-haut, budget ça, lui bon espoir que la privée. Mais pas un exercice ça, pas un exercice ça. Non, pas un exercice ça, pas un exercice ça. À partir du moment que la production locale a encouragé, et nous avons moins acheté produits importés, ça veut dire qu'on peut acheter un peu de boulot encore pour l'importer. Du moment que la production locale a augmenté ou importé moins, automatiquement, vous devez prendre valeur de 20 dollars. Et automatiquement, toute inflation a baissé. Son bail est automatique lié. Si ça se fait, c'est ça qui va se passer. Donc, étant donné que nous, c'est 4 mois qui nous étaient là, nous avons placé pour être capable de faire tout le monde ça effectif. Bon, vous vous demandez de faire ça depuis mars, l'absence de parler de Covid. Mais rien par exemple fait réellement, il y a peur. Et jusqu'à présent, beaucoup de gens c'est que ça professeur Poissy, je dis à. Par contre, non, mais nous avons 1 dollar pour. 116, 108, mais où t'es monde qui t'es poussé, monde qui t'es prévoit et dollar la privée jusqu'à 250 pour dollar ou toujours qu'un bé projection ça. Donc toujours qu'un bé projection ça et avant que les demandes ça. Ce qui est si ça n'est pas rien là, pour production locale qui encourage, m'espérer qu'à partir de 2020-2021, bah, elle a changé. Parce que le production locale qui parle, vous l'avez dit, vous savez, l'investissement qu'elle fait, l'investissement par exemple, pile monde qui travail, non, pile monde qui travail, c'est base fiscale. L'asset fiscal, l'État va l'élargir. Parce que source principale au gouvernement, c'est impôt sur le revenu, c'est taxe à la consommation. Plus on cap travail, c'est plus on cap payer taxes, et c'est plus on cap payer capable la capable consommer. Et là, c'est ça, vous avez dit que le gouvernement a préparé Kabani pour le même. Mais là, on est dans le besoin qui est en jeu là. C'est pour BRH qui a venu pour changer la politique de l'État pour au moins nous faire une complétée à bon marché dans l'ordre de 0 à 7%. Si nous espérons que l'on investisse par investissement pour que nous capables d'encourager la production locale là, trois jeunes complétés. Et quand vous avez une compréhension de marché, c'est là que vous avez un bon. Mais si vous avez des politiques de BRH, BRH ne permet pas que l'argent de votre banque commerciale assez pour que nous vous compréhensez. C'est ça qui fait que vous êtes dans l'ordre de 15 à 27% à côté comme. Ce n'est pas possible. Pas de monde qui va vous compter comme pour investir à 10%. Si vous faites ça, vous ne pouvez pas encourager l'investissement du tout.
Professeur et Poissy, ou avec nous dans le journal spécial, nous pas gagné temps, nous habitués gagnants, et on a fini à 7 heures. Donc nous avons le point correspondant, nous pouvons parler à Galvez. Donc si nous devons conclure sous intervention au matin, lecture fait sous budget, donc nous devons retenir, c'est à la fois un budget qui peut être espoir, oui, bien sûr, mais c'est un budget qui est hypocrite, hein? Oui. Qui ça, pour le moment, action que nous posons par montrer qu'il matchait avec décision où on voulait prendre sur politique commerciale là. Mm. Et ça, quand même, nous bon pour l'économie, on se donne des chita sur politique commerciale là. Pas tout pays qui a besoin d'économie au marché, ou on a chita sur ça. Est-ce qu'on a quitté tel pays plaidé et côté produit en même temps, ou bien est-ce que c'est production pas même pour me permettre et qui fait. Mm-hmm. Mais pour l'État, en fait, c'est plus que mon moucher. Le mon moucher, c'est plus comme l'État qui a joint sur les taxes. Mais si c'est produit extérieur que m'a fait une PIA, il y a un problème. Et c'est une raison ça qui fait que tout le changement est excessivement élevé. Donc, le montant, nous hein, dit que nous disons, bon, pour l'économie, mais à partir de politique fiscale là, c'est ça que je suis regardé. C'est ça que je suis regardé. Il ne peut pas regarder à l'occasion et le négliger totalement. Attention et documents. Attention, documents, on était sur le chat. Et nous, au moins, on a bénéficié du double de mariage avec le chat, parce que c'est pas un document secret. Il prévoit action qui permet de prendre. Parce que l'on dit une loi fiscale. Et qui fait chaque année. C'est bien du qui j'en prends pour faire de mon petit riche, qui j'en prends pour faire de mon petit pauvre. Parce que c'est prendre un million de mon malade. Mais qui dans ce pays a plus riche, dans ce pays a plus pauvre. Donc, ce c'est fondamental. C'est une question de sujet et ça. Qui cette décision du gouvernement prend, soit pour le gratuit de taxes, soit pour le laisser taxes. C'est là j'ai l'histoire. Et tout par le budget, yo, sous ce principe de revenu gouvernement, au même sous-titre de Chita, il était Chita sous impôt indirect. Il était toujours dans l'ordre de 60 à 70% de la précompte. Là, ça fait tuer la population. Hein. Parce que c'est consommation, on a parlé. Nous, on ne dit pas rien moi, il faut lever la pour acheter au plat manger. Il faut lever la pour voir les petites écoles. Il faut mettre la souli. Donc, ça, nous, c'est qu'à chaque goutte de dépensé, l'État prend taxe souli qui met hauteur. Donc, il n'est pas capable de vivre. Professeur Jean-Princy Fondi, il y a un peu le monde là qui n'est pas d'accord à quelle façon on approcher les questions budget et qui voulait interagir avec vous, mais pas gain temps, puisque on a continué à parler de budget, toujours une possibilité l'autre semaine pour nous recevoir et pour continuer à partager avec nous et aider à comprendre le budget. Ça, merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie, le fait que vous permettez de parler pour une faible population, ouais, bagala, on va dire. Et c'est pas dans l'autre, j'ai dit que bagala, c'est mal, bah, un problème, ça. Des actions qui nous réactions qui a posé sans que nous dire. Mais c'est une bonne action qui nous réactions sans que nous dire. Même si c'est pour demain qu'il y ait. On m'a dit qu'on y a assez de sacs, de sacs qui nous réactions dans le temps. C'est un bagage structurel qui pose là. Merci. Tout en a plein de nous réactions trompe. Merci beaucoup, professeur Poissy. Nous pas gain temps, effectivement, nous parler. Saint-Marc. Nous parler Saint-Marc, puisque gagné un membre de CSPJO, c'est M. Noé Pierre-Louis Massillon qui critiquait Meg Moyen qui a loué un budget républicain pour la justice. Franz Augustin, bonjour. Bonjour, Gagné, bonjour, Pierre-Ruyel et Nano Pam. Il y a encore une fois dans le Dénigoyen, nous souhaitons condoléances à BDG, non, Patrick Moussignac. Malgré Covid-19, activité au parc, dans le tribunal de l'instruction, c'est match. Et nous avons bilan de présenter sur une période 16, 30 mars, 6, 13, 20, 22, 24 avril, à 4 mai 2020. Résultat audience qui réalisé montré. Il y a un gros effort qui fait dans l'appareil justice Saint-Maclan. Dans le tribunal de l'instruction Saint-Maclan, nous avons Pierre-Louis Massillon, pas de bravo pour le travail que j'ai fait pendant seulement 8 jours d'audience.
Fonzi donner de leçons, mais Fonzi, malgré le demande d'un tribunal Lambay, doit nous dire le marquillon, il est étonné, ouais, travail jugé, pas récompensé, conseil CSPJ, basé sur les guerres finances en 2019-2021, l'IGI, traité, justice là, en parlant pour justice payant hérité gros bois de l'argent dans le budget républicain pour juger au travail dans meilleures conditions et pour tribunal joindre moyen ou encore bien l'équipe. Nous avons priorité parole et doyen tribunal Vincent Saint-Maclan, le conseiller CSPJ, Louis Pierre Massillon, qui dit qu'il est important pour monsieur responsable, ministère de la Justice, à réviser l'enveloppe qui est allouée pour la justice dans le budget républicain et faire de justice là une priorité tout bon si vous voulez une nation pour répéter parole au conseiller CSPJ, Pierre-Louis Massillon. Nous excusez-nous parce que nous ne sommes pas capables de nous tromper de son et ou encore difficultés techniques qui fait, nous ne sommes pas capables de passer, donc son doit nous dire lui Massillon. En tout cas, François Guichet, c'est Max Caraïbe de Femme. Merci un peu, France. Nous, on pourrait aller à Tigouave pour nous parler avec le magistrat de l'Ordre des Granges qui lui même voulait lancer un SOS à l'endroit de ministre des Travaux Publics. Le magistrat, bonjour. Bonjour, Renel. Tout auditeur aujourd'hui, c'est Ara. Et bonjour tout le monde. Donc, avant de commencer, je vais permettre nous voter sympathie et conduire avec le PD et Patrick Montignac, qui est à Paris. Et sympathie nous et conduire nous avec tout le staff caractère. Effectivement, j'ai des c'est que c'est justement pour nous expliciter pour côté et d'avou public là et Jean-Céis Madère pour d'avouer une délégation le plus vite possible dans la commune pour garder fond coutiste et qui manger et pas et qui présentait un gros danger, non seulement pour la commune, mais pour quatre autres départements. Donc, c'est le cas de Guicha qui est tout près là, par exemple, nous avons et à Bonne, côté tout le monde, je savais que c'est difficile, mais pour qu'il applique qui tombe, et la bloquer, et tout le cas est inondé. Donc, c'est moins difficile pour eux. Donc, nous gagnons pour la digue et à qui combler n'importe qui l'a pris qui tombe au point de prendre dans l'enfer. Donc, dans ce sens-là, nous devons le ministère des Travaux publics gagne spécial et pour toute commune qui grave dans ces cyclones qui vivent. Et permettre de finir guerrier pour moi. Et remercier publiquement le secrétaire général RDNPA, M. Éric Fils, qui était et qui était by Méria, un ensemble de familles et 13 gros châteaux d'eau, et côté nous est partagé avec élus et en deux sections et en pile cache. Donc nous devons. D'accord. Merci un peu le magistrat de l'Ordre des Granges. Nous avons pas vraiment un pile temps. Bonne bye. Deux minutes avec Dr. Jean-René Jeune Lagonave qui lui-même voulait attirer l'attention aux autorités et de l'autre citoyen sous nécessité qui gagne pour Lagonave à bénéficier matériel hein, pour au niveau de la santé puisque bon espace là que vous bénéficiez mais pas gain matériel pour desservir la population. Dr. Jean-René Jeune, bonjour. Bonjour, M. Guerrier. Bonjour, Pierre Hinel. Et nous avons voyé toute sympathie nous pour PDG Radio qui est Patrick Postillac. Nous avons salué tout auditeur et auditrice, spécialement mon Lagonave. Et nous avons fait une brève intervention derrière pour nous lancer un appel avec l'État concernant le monde qui vit Lagonave dans la 5e section, côté nous avons un centre de santé qui ouvre
centre de santé ça a desservi plus que 20 000 monde dans Balagounav, mais côté nous avons seulement 3 cabanes pour centre de santé ça. C'est moi-même qui est responsable du centre de santé en tant que médecin. Nous avons une situation qui est extrêmement critique. Nous avons des malades qui ont marché plus que 3 4 heures de temps qui sont venus et là ils venus, nous n'avons pas de soins. Parce que nous n'avons pas de cabane pour nous faire un et ça fait mal que les nous sommes malades, la couche à terre. Même pas de sérum qui nous pas gagné pour nous mettre des sérum pour malades, nous avons demandé MSPP. Nous avons demandé des citoyens conséquents. Si nous avons fait une intervention pressée pour nous, parce que tout le centre de santé ça fait maintenant Balagounav, nous avons dit que ça nous faire avec nous, parce que 2h, 3h du matin, il y a un gros problème. C'est là que nous courons dans le centre de santé pour maintenant, pour nous venir pour un premier soin. Et dans le moment ça là, nous avons une génératrice qui peut fonctionner, une génératrice la campée. Et nous ne venons pas carrer ces voies malades. Et nous demandons l'État. Et nous demandons des citoyens aussi qui sont mon lagodave. Si on a fait une intervention pressée dans ce sens-là, parce que nous ne pouvons pas pour le centre de santé à faire. Et nous ne pouvons pas gagner cabane et nous ne pouvons pas courant pour nous faire nous taquer nous les soins dans le centre de santé. Ça. Et nous-mêmes, l'équipe qui travaille dans le centre de santé, ça, nous avons tout dévouement, nous, mais nous n'avons pas de matériel. Nous avons demandé des citoyens conseillers, MSPP, anciens sénateurs, nous, anciens sénateurs l'Ouest, si nous avons fait une intervention, même au Grand Batterie, nous avons fait ça bénéficier. C'est important pour nous. Nous avons salué aussi M. Éric Jean-Baptiste, qui a fait un gros travail. Nous avons demandé des citoyens intervention pour nous dans le centre de santé Gourmand, dans la 5e section, Balagounav. Côté ce seul centre de santé, ça après l'hôpital en Sagalé, qui a desservi le monde de Balagounav. Et autorité, nous demandons où est-ce que vous avez fait pour nous, pour ce plan, pour ce plan par été fermé. Merci un peu. Nous avons salué quelques monde qui connaît de nous, nous avons salué le docteur Lesage, qui a salué nous dans le Cafou, le docteur Batelmi, nous avons salué nos aides. Et nous n'avons pas salué le docteur Wilnik pour le travail qu'il a fait dans la Gounav. Merci un peu, le docteur Jean-René. Nous espérons que vous pour attendre et que vous avez nous. D'accord, merci un peu, nous avons le docteur. Peut-être nous parler dans la semaine encore sur la situation de la Gounav. Allô, allô? Nous avons quitté le numéro de condition, nous avons entré en contact en soi avec nous pour le centre de santé. Numéro ça c'est 39 01 39 23. 39 01 39 23, vous pouvez entrer en contact avec nous. Tout le monde souffert avec nous pour le centre de santé. Ça a très utile pour permettre de nous sauver des vies.